kuloto nganya nyabangu bamitola nya ndewe tsenge bubisi nya toni ngo yambangali kyanga nya yangewe okufiku yangewe okutsango yangali semendo yenzira tina okufiku bien content pour le baptême des enfants, plus Odile, Maëlys et Curtis. Aussi pour la première communion d'Odile, je suis très très fier d'eux, très fier de leur maman. Ça me fait super plaisir et je suis très 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 content d'avoir mes trois enfants. D'accord, merci. Mm-hmm. Yeah.
nga nolo yebanya Nende bo kibi bo mile yanya Omonga nga ngo bo moti nanya Otoni ngo yamba nga likya nanya Yangewe événement donc vous connaissez tous, le baptême des enfants, dont il y a une qui s'est distinguée par rapport à sa première communion. Donc vraiment, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ces entrefaites. En tout cas, ceux qui ont quelques remerciements pour les enfants, n'hésitez pas. C'est leur moment à eux, c'est leur fête à eux, et c'est le moment où Dieu a ouvert leur porte. En tout cas, par rapport à tout ça, je voulais aussi, de mon propre chef, remercier ma femme Roland. Merci pour tout ce qu'elle fait pour les enfants. Merci pour tout ça, cet accompagnement. Ça me touche droit au cœur. Vraiment, merci pour toute la famille. Et encore un grand merci vraiment de nous accompagner. Donc voilà, merci beaucoup. Bien, ouais. Mama, we go back to Safuri, Mengo, Ongo, Angu.
solo ye kana lumo che peja pieto bia lumo na lumo mpila mase utunyambula kamfuna we boba tu safuri mama eh we boba tu safuri mango kongo Bonjour à tous, bonjour la famille. Nous sommes ici à l'occasion du baptême de Théodine, Curtis et Maëlys. Les enfants de ma copine Roland, c'est ma sœur de cœur vraiment. Là-bas, nous avons fait la communion, baptême, la communion. Donc vraiment, ça est à Yingi. Et nous sommes vraiment, catéchisme. Si l'on veut courir, il va baptême, donc vraiment ça est à Ying. Donc on est là en famille, on s'est bien amusé, on a mangé, on a bu, on s'est bien amusé. Malgré le confinement, moi on est à l'extérieur, vraiment ça se passe très bien. J'ai été la marraine par officieusement parce que la marraine de Maëlys n'était pas là. Elle était empêchée. Vraiment, j'avais pris les initiatives parce que quand je disais à Roland d'inscrire les enfants au caté, elle disait oui, demain. Et j'avais pris les initiatives quand je suis allée inscrire mes enfants, je les ai inscrits. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, tiens, j'ai inscrit les enfants, tu remplis les papiers. Elle était surprise. Donc vraiment, c'est une grande joie pour moi. Je lui disais, mais camarade a eu beauté, il faut que tu aies éduqué. Et donc ça y est, vraiment que le Seigneur nous garde, que Dieu nous bénisse, vraiment qu'il protège tout le monde, vraiment. Malgré les moments difficiles qu'on est en train de passer, on a eu beaucoup de décès, beaucoup vraiment, mais que Dieu nous protège, vraiment. Tabenom Luzolo, quoi, vraiment, ma Congolais, Tabamou Luzolo, vraiment, ça y est.
continue, la fête continue hein, pour bon ben je veux dire parce que nous on est des invités spéciaux. On est encore là. Merci. Je vous en prie. Nous avons assisté depuis ce matin au baptême des enfants et à la communion de Théodine. Ça s'est très bien passé. Et nous espérons que le Seigneur va continuer à aider ses enfants à grandir spirituellement. Je dirais c'est que bravo aux parents, à maman Rolande qui a emmené les enfants à l'église et qu'elle continue sur le chemin, que le Seigneur les aide à grandir spirituellement, à grandir aussi dans la stature, qu'ils soient bénis pour que tout le monde soit content et que notre Seigneur soit béni. J'ai aussi apprécié nos enfants, ils étaient bien habillés. Ils ont eu leur baptême aujourd'hui. Que le Seigneur leur bénisse. Vraiment, tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Donc, je rends grâce à Dieu. Merci. Du début jusqu'à la fin, tout est bien passé. Je remercie le Seigneur encore. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci. Aujourd'hui, les enfants ont été reçus dans les bassins baptismaux. Et je suis heureux pour eux. C'est tout, voilà, juste un grand merci. Merci mes parents d'avoir organisé tous ces trucs pour faire notre baptême. Il y a ma grande sœur qui a fait sa communion et son baptême avec nous et on est très contents d'avoir participé à ce baptême. Et merci pour à tous d'être venus nous avoir apporté des cadeaux. On était très contents de vos cadeaux. Merci Dieu de nous avoir accueillis dans sa famille. Amen. Et merci. Je suis là. Du Saint-Sacrement, le corps et le
puissante de Jésus, la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour que tu leur donnes la force et la lumière dont ils ont besoin.
poursuivre la mission que tu leur as confiée pour que ta fidélité les fortifie dans cet enseignement qu'ils transmettent pour que d'autres chrétiens répondent à la vocation de catéchiste pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te prions.
mangez-en tous. Ceci est mon corps, ici, en disant. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire. Thank you.
zali nzambe Likolo benase Moko te ako kanina yo Seko la seko Zuwanke mbope loku munyoso Alléluia, Alléluia,
fois saint. Corona, tu es trois fois méchant. Dieu le Père est trois fois saint. Corona, tu es trois fois méchant. Passeport, tu es venu dans mon pays sans visa. Chers amis, lavons, lavons-nous les mains, car la maladie est là. Oui, il y a de ceux qui pensent que la maladie n'existe pas, c'est une histoire inventée. Non, laissez-moi vous dire que la maladie, elle est bel et bien là. Respectons les mesures de barrière, respectons le confinement, respectons la distance, respectons ce que on nous a demandé de faire. Ils avaient des projets et la vie en abondance. C'était le baptême des neveux et tous les deux jumeaux là. Et la première communion. La première communion. Ah, il fait un peu beau, mais bon, on était là, il y avait un peu du monde. Là, ça va, il est déjà 20h. Déjà 20h, bientôt on va commencer à se disperser un peu. Parce que le confinement là, ça continue toujours. Du coup, on fait 21h. On était là. On est là à Musée des Grands. Un espace libre pour tout le monde. Je suis trop content. La leçon que nous pouvons tirer de cette pandémie, c'est que cette maladie n'a pas choisi un peuple, une femme, un homme, une race. Et voilà, nous sommes tous un devant cette maladie. Luttons ensemble pour qu'on puisse vaincre. Corona, tu es trois fois méchant. Dieu le Père est trois fois saint. Corona, tu es trois fois méchant. Passeport, tu es venu dans mon pays sans visa. Non, mais c'était vraiment une belle célébration. Voilà. On est très content de les entourer. Voilà. Donc on attend maintenant la suite et à la confirmation. On espère qu'à la confirmation, on pourra faire quand même une grande fête dans une salle. Merci madame. Quand ça sortit du Covid. Encore un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Effectivement, la première fois c'était des baptêmes de mes enfants. Vous êtes encore présents.
vous nous avez accompagnés, comme d'habitude. Et dans cette continuité par rapport à la grâce de Dieu, dans cette continuité par rapport à la prière de Dieu, toujours pour l'accompagnement, pour protéger nos enfants, nous avons pensé qu'effectivement, il fallait faire tous les sacrements. Comme nous savons que le premier sacrement commence par le baptême, on l'a fait. Et le deuxième commence par la première communion. Les enfants, quand ils vont se sentir de Dieu, et qu'effectivement qu'ils soient protégés, et que demain, qu'ils n'oublient pas ce que nous entendons, quand on tombe, on a besoin de quelqu'un pour nous relever. Comme aujourd'hui, c'est pas l'humain qui nous relève, c'est Dieu qui nous relève. Amen. Oui, toujours. Cette aide-là qu'on ne connaît pas, qu'on a toujours demandé de l'aide. Donc mes enfants sont rentrés dedans. Effectivement, accompagnés de d'un mec qui a donné cette orientation. Donc on dit merci, on rend grâce. On peut continuer dans les sacrements, ce chemin du Seigneur. Voir exactement que de tout le monde, la vie de tous les jours, de temps en temps, Dieu qui est là, pour nous apporter un peu d'assistance, pour nous accompagner et faire en sorte que la vie de demain soit meilleure. Merci. Merci pour vous de nous accompagner, de nous assister toujours. Et que effectivement, j'espère que Dieu sera présent auprès de ces enfants-là et qu'ils ouvrent les portes de demain. Donc après, justement, cette première communion qu'ils ont accueillie aujourd'hui. Après, après.